Les gars, je sais que ça fait maintenant la deuxième vidéo que je fais sur Valhalla, mais je fais ça, mais cette fois c'est pour continuer la quête principale et quelle partie de vidéo c'est, mais j'ai donné un titre. Mais je vais donner un titre. London. Oui, London. London. Dans. Non, en fait, non, j'ai pas encore donné un titre. Mais ce sera entre, ce sera dans de la vie, ça, mais cette vidéo se passera dans la vie de Lunden, où je dois rencontrer un des où je dois trouver, oui, où je dois trouver des trois membres de l'ordre des anciens. Et cet ordre des anciens, eh ben, c'est comme vous savez quoi, ceux qu'on ne voit pas contre le membre des anciens, les assassins contre les templiers. Vous savez où que je veux venir? Eh ben, cette fois, on aura 3 ou 1 ou 3 ou je sais pas combien. En fait, je sais plus. Oui, on. 3 ou 4, 3 ou 4, je sais pas. Mais on aura 4 murs et Londres. Mur et ombre, ça s'appelle. Ça s'appellera mur et ombre. On doit faire le. Trouver des trois membres un par un pour essayer de dont ils se font appeler des de nos codes, dont il faudra les trouver et les envoyer en enfer. Enfin, si c'est des Danois, ou que ce soit des Danois ou des Saxons, vu le SmackDown d'hier. Alors je sais pas ce que, enfin, j'ai vu sur une reprise de SmackDown de avant-hier, mais pas de d'hier, pas en français. Pas avec Philippe Giraud et Christophe Injuste. Christophe l'Injuste, il traduit bien l'anglais, je trouve, avec de bonnes voix. Moi j'y arrive pas. Enfin, pas quand il y a des, pas quand c'est tout, enfin, il arrive pas très bien parce que les catcheurs, parce que ceux qui parlent en anglais parlent trop vite, mais après
Et j'ai changé aussi, oui, j'ai changé le couleur de cheveux de Ivor parce que. Eh, mais je crois que vous connaissez la nouvelle. Enfin, sur Assassin's Creed Valhalla. Il y aurait une annonce que Eivor va devrait rencontrer l'héroïne principale de d'Assassin's Creed Valhalla d'Assassin's Creed Odyssey. Parce que au début on choisissait Alexios parce que en fait ne certes beaucoup d'entre vous et moi, vous et moi, beaucoup d'entre nous, choisissaient Eivor. Non, pas Eivor, je choisissais Alexios dans Odyssée. Alors que non, c'était pas. Alors que non, c'était pas Eivor qui. Non, je me trompe encore. C'était pas Alexios qu'il fallait faire. C'était Cassandra. Eh ben oui, c'est Cassandra qui va prochainement être dans ce jeu. Et que Ivor, femme ou homme et femme ou femme va se faire rencontrer va, ouais va se rencontrer mais seulement si on a seulement si on construit la maison de Valka. Valka, la chamane. Il faut éviter d'attirer l'attention ici. Et comme vous le savez, et si vous, et au cas où vous ne savez pas, ou que vous ne m'entendez pas, je suis en train de manger deux pancakes. Pas en entier, mais, enfin pas en une fois, mais deux pancakes simplement. Un par un. Je sais pas ce qu'ils font. Et j'ai pas encore fait j'ai pas encore continué le jeu de j'ai pas encore continué le jeu de Red Dead Redemption. Cependant, je vous. Il faut que vous sachiez que. Que. Vous savez qu'il y a un nouveau dessin animé sur Netflix. Ça s'appelle Centaur World. Un dessin animé musical. À chaque épisode, il y a des musicaux. Que ça parle d'un cheval, enfin, d'une jument. Qui tombe dans ce monde parce que car il est mort. Elle, plutôt. Et que elle cherche un moyen de rentrer chez elle, mais elle finit par vouloir rester ici. En ne changeant pas en centaure, mais en se changeant mais en cheval, quoi.
que ce soit un alba, que ce soit un alama ou un autre animal. La Cripplegate. J'y trouverai peut-être un responsable digne de ce nom. Et moi, je vais couper les micros pendant la conversation que j'ai fait comme d'habitude. Un peu de patience, tous. Nous allons arranger ça en un rien de temps. Gardez votre calme, hein? Voilà, trésor. Bien bon, maître. Tu reprendras bientôt ta route. Je vois que tu as le talent d'un berger. Ce travail y ressemble parfois. Est-ce que je peux être utile? Qui dirige ce bourg? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis 4 ans. Trigre? Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa, à s'occuper de diverses friponneries. Avgos veut sa part de la récolte estivale. Sale bouseux. Alors, pourquoi ça traîne? Nous discutions là. Allons. Les paysans de Mercy ont déjà payé leur dû. Si Avgos en veut davantage, qu'il dépose une requête. Une requête? Eh bien, tu peux dire à ce marchand de crottin que s'il veut sa pomme, qu'il vienne la chercher. C'est la propriété de Maître Ham. Viens chercher! C'est répugnant. Viens chercher! Le ciel, tu te bats comme si le diable avait volé ton pain. Tu t'y entends aussi pour cogner. Juan, sois un bon petit élève et relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les vivres, veux-tu? Très bien, tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan du Grand Corbeau. Et si c'est toi, tant mieux. Ah non, Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de l'Ondaine. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose? C'est comme ça, et puis c'est tout. Je m'appelle Stowe. Stowe de l'Ondaine. Ah! On va soit faire une... Soit c'est un plaisir de te rencontrer, soit mène-moi à ton chef... Soit tu es un combattant solide. Et comme c'est une fille, comme on est une femme, alors on va faire la romance, hein. La romance. Un nom robuste pour un homme robuste. Et j'aime les gens qui savent taper sur leur prochain. Pour marcher la tête haute à Lunden, il faut savoir jouer des points. La flatterie n'est pas dans mes habitudes. Eh bien, ta franchise me va droit au cœur. Allons voir ton gouverneur, Stowe. J'ai envie de le rencontrer. Entendu. Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigre. Et comment dois-je t'appeler?
Cogneuse de brigands, marteau danois. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Nous nous sommes installés au nord d'ici, près du fleuve Nene. Eh bien, j'ai une dette envers toi, Eivor. Tu es une alliée de choix. Alors voici Lunden, une ville bâtie par des géants. À ce qu'on dit, c'est une vieille cité hargneuse à souhait. Mais elle a un côté mystérieux que j'adore. Ceci dit, j'ai grandi ici. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundenwich, le bourg saxon au-delà des murs ouest. Tu n'es pas prêtre, n'est-ce pas? Non, mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors assez bien. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lunden? Ma foi, c'est Trigre qui a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma condition. Ses deux bras, le gauche et le droit, sont Erk, un soldat danois et moi. Erke a fait partie de la dernière horde de vikings à s'être installée à Lunden pour une saison. Là, remonte maintenant à deux ou trois. C'est par Trigre que j'ai connu Erke. Et maintenant, en tant que magistrat, nous parcourons la ville comme des peuples. Attends. Quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang étouffé. Pas ces hommes. Que s'est-il passé? Dieu, non. Non. Il a fallu trois flèches pour le tuer. Les deux autres sont des insultes. Ô Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stowe. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate, des gredins de la garnison. Tu dois être une tueuse pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stowe. Cela ne peut plus continuer comme ça. S'il avait encore sa tête, celui-ci s'appellerait Trigre. Dieu du ciel, cet homme est mort. Peu de respect. On va bien s'entendre, toi et moi. Tu dois être Erke, le second magistrat de Lunden. Erke Bodilson, oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierai ma vie. Stowe n'a jamais été doué pour juger les gens. Erke, voici Eivor. Elle était venue rencontrer Trigre, afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Et il t'aurait accueilli de bon cœur. C'était un homme confiant. Regarde où ça l'a mené. Tu as trouvé quelque chose? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Trigre était constamment entouré d'hommes. Comment les tueurs ont-ils pu passer? Parce qu'ils les connaissaient, sans doute. Assez pour approcher sans attirer de soupçons. Seigneur Jésus-Christ, cela pourrait être n'importe qui. Il dirigeait cette ville. Cette lettre, quelqu'un tenait à ce qu'on la voie. De Rome est venu un ordre d'hérétiques, vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Erke, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lunden. Elle mentionne trois de ces païens qui se sont faufilés dans Lunden. Ces meurtriers, j'imagine. Mon Dieu. Qu'y a-t-il? Des sages salaces d'une maîtresse. Non, de plusieurs. Dans le bureau de Trigre. Bien sûr. Le vieux laissait baguenauder ses yeux et ses mains. Quelle intimité. Je n'aurais pas imaginé. Il ne voulait pas que tu le saches. C'était son secret. Voilà tout. L'ordre, c'est emparé de lui. Ça, c'est mauvais signe. Donc... Alors... Oh, piller les coffres! On va piller! Yeah! Humble, mon cher... Humble, mon chef.
mon ami. J'espère que ton humeur est bonne par ce beau temps. S'il n'y fait jamais aussi froid qu'en Norvège. Il pleut. Presque ton frère Tarm Trigre. Ah. D'accord. Oh, on a reçu des matériaux, cool. Attends, c'est quoi ça? Ah. Des outils de barbier, tranchants et précis, pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de Trigre. Là. Là, enfin, non, là-haut, je veux dire. Et hop. Je n'en vis pas sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigre ? Non, il a plutôt l'air promis. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde pour qu'il le tienne jusque dans la mort. Peut-être pour ça qu'on l'a tué. Trois jeux d'empreintes de pas. Deux moyens et un très grand. J'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigre a été tué sur son siège, probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corde, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a privé de ses yeux, avant de couper la tête de Trigre. Symbolique, peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Les tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à trois, en direction de la cour. La lettre parle de trois hérétiques, mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Pauvre simple soldat. Drôle de nom. Trois noms, trois meurtriers, comme tu le disais. Par les bourses de Baldur, ça peut être n'importe qui à London. À qui faire confiance? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à London. La sangsue vient du Wessex. Ce n'est pas ce qui manque à London non plus. Et enfin le compas, un capitaine franc. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole, là? Je le connais, il vient du temple mithraïque. Je suis passé devant en venant ici. Ce temple mithraïque, c'est une église? Une église? Par Dieu, non. Mithra est une invention païenne, un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Mais il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Mais sors prendre l'air de temps en temps. Ça pue ici. On y va, Broga. Broga. Je m'appelle pas Broga. Enfin, elle s'appelle pas Broga. Les gardes ont été tués. Aux armes. Protégez Trigre. Ah, la puanteur de cette affaire est arrivée jusqu'aux habitants. Je te laisse aller voir ce temple, Ivor. Il est à l'est d'ici.
Pour l'instant, je dois jouer mon rôle de magistrat. Allez-vous-en, reculez! Les combats sont terminés. Garde sera bientôt là. Bon, allons voir ce qu'il y a. Attendez. Je croyais. Non, mais je croyais qu'il y avait un genre de mystère ici qui me permettrait de débloquer la fameuse épée Excalibur. Oui, c'est une épée légendaire ici. Enfin, une épée Issou. Mais non, en fait, non. Il n'y en a pas. Pour l'instant, je dois aller là-bas. Change d'avis. Je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de Lunden. Mais Sto paraît intègre. Pour l'instant, je lui fais confiance. Alors, c'est là-bas. On va les tuer un par un, d'accord? D'abord celui qui est au temple. Attendez. D'abord celui qui est au temple, que ça soit un compas ou la sortie, la flèche ou le compas. Et ensuite, j'irai. Ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. Ah! Quelle bonne surprise! J'ai besoin de ta vue, mon ami. Il me faut que je trouve une entrée viable. Par là. Je vais jouer à la discrétion, comme d'habitude. Comme d'hab. Je vais tuer les gardes un par un. Les gardes sont vigilants par ici. Comme j'ai... C'est mieux de les mettre en retard, même si ça gaspille de mes flèches. À la fin, si ça me gaspille une flèche, je pourrais toujours en récolter.
plus de gaz qui vient d'entrer, bon, moyen de sortie. Oui, je me suis mis encore. J'ai pris deux entrées. Enfin non, j'ai pris. J'ai amélioré mon ravitaillement de santé. Comme ça, plus besoin. Donc c'est là-bas. Maintenant, il faut juste que je fasse chuchoter comme ça. Ouh là 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 là. Des outils de médecin, de belles factures, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre, parlant du paiement d'un forgeron. Je vais d'abord voir ce qu'il y a là. Oh. Mais là. Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest. Cela mérite une visite. Ouais, mais d'abord... voir ce qu'il y en a d'autre. Rien par ici. Allons voir par là. Toujours restons prudents. La prudence est requise. On sait toujours en... mes sens. Mes sens. Un bouclier breton. Bretagne. Hop les... hop. Des messages entre le compas et la censure. Soigné, étripé. La censure est quelqu'un d'étrange, mais le compas ordonne les meurtres. J'ai assez d'éléments pour l'instant. Je dois montrer tout cela à Erke et Asto. Il y aura d'autres bains de sang à Lunden. Sinu n'aura de quoi festoyer. Je suis arrivé par là. Ouais, je suis arrivé par là. Cet endroit est très bien gardé. Assommé. Et boum! Dans ta face. D'accord.
voilà. Ouh. Ah. Bon, on file. Bon, on file d'ici avant que on ait trop d'attention. Mais je crois que j'ai. Attendez, je crois que j'ai oublié de faire. Voilà. Je savais même pas que j'avais oublié de. Bon, après cette mission, on va se quitter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me faire un commentaire. Il y a pas de pont ici. Enfin, non, il y avait pas de pont là. Villa du gouvernement. Villa du gouvernement. Hop, hop, hop. Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigre n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile? Quelques feuilles de vélin, des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement? Ce serait un peu long à expliquer, mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets? Foutaise! Y a-t-il autre chose comme piste? La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves. Mais je ne sais pas pourquoi. On a trouvé des cadavres près des quais ces derniers temps. Mais pas que des esclaves. Certains disparus, retrouvés à plusieurs endroits, mis en pièces. Mon Dieu, Erk. Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc? Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin, et se fait discret. C'est possible. Mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue. Et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. La flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens. Entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leur mort ramènera le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la vase. Peut-être la sangsue s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom et sous sa protection. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me faire un commentaire. Ciao les gars.